Ça va, tu t'éclates? Tranquille. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur The Last of Us Left Behind. On s'était arrêté juste ici dans la dernière vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc on continue notre exploration de ce centre commercial abandonné avec notre cher ami Riley. Et du coup, on va rentrer dans cette magnifique salle d'arcade, Regis Arcade. Sûrement un clin d'œil du coup à Eddie Raja, le premier méchant de Uncharted 1. Je te l'avais dit. Putain, génial. C'est absolument génial. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le vlog numéro 6, du coup, pendant le Festival des Arts Numériques, que je vous recommande d'aller voir de toute façon si vous n'avez pas vu, il y a des bornes d'arcade pardon, dans le festival qu'on a organisé. Enfin bon, vous en saurez plus en regardant ce vlog, hein. Je vous laisse aller voir la petite fiche. Voilà, parfaitement, au droit de la vidéo, c'est génial. Et on va aller jouer à ceci. Non, me dis pas qu'il est foutu. Ouais, et bien foutu. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'allais jouer. Tu peux jouer. Comment? Ok, viens là. Ferme les yeux. Fais-le. Ok. Bouge avec ça. Là, coup de poing, là, coup de pied, et contre avec ça. Ok. Mais choisis d'abord ton personnage. Tu vas incarner l'impitoyable, redoutable et très magnifique Angel Knives. Et je suis censée tout imaginer. Ferme les yeux. Ok, pardon. The fuck. Le temple des ombres, un bâtiment mystique et ancestral où ont lieu les tournois des immortels. Ton adversaire, Black Fang, sort du temple. C'est un gars blanc ultra baraque, avec trois bras. Son but, c'est de te faire la peau. La musique part et il se met en position de combat. T'es prête? Vas-y, envoie. Manche 1, go. Au bout du premier round, Black Fang se précipite sur toi. Il t'envoie un double coup de poing dans la face. Saute! Ah oui, faut qu'on fasse des mouvements. Il t'a dépassé. Tu atterris derrière lui. Frappe-le dans le dos. Tu le calmes avec un bon gros coup de coude et il perd genre 15% de santé. Oui, il se retourne et revient avec son attaque de la griffe fatale. Qu'est-ce que je fais? Maintien gauche et contre pour parer. Ah. Tu dois appuyer en même temps. Ah. Joli. Il t'a eu. Combo contre. What the fuck? C'est énorme. Pour une charge de lame. Ah, faut faire tout en même temps? Appuyez en même temps. Parle. Bas, avant, point pour le coup spécial. Ouais, défonce-le. D'accord. Oh merde, j'ai pas vu le nouveau truc. Oh putain. Ah merde. Putain, c'est énorme. Mais je m'y attendais tellement pas. Elle fait une drôle de tête par contre, Ellie. Hein. Ok, putain, c'était juste. Oh la vache! Ah merde! Oh la vache, c'est trop. C'est chaud! Hop! Achève-le! L'écran s'assombrit. Les larmes d'Angel Knives scintillent. Elle lui transperce la poitrine encore et encore, jusqu'à ce que son cœur jaillisse dans les airs. Elle se met en position et lance un coup de pied qui lui arrache la tête. Un geyser de sang recouvre toute la surface de combat. Oh, cool! Ultra kill dans ta face. Angel Knives lève le poing en l'air. Encore gagné. Yes, tu m'étonnes. Pas mal pour une première fois. Alors? C'était sympa. T'as adoré. Ouais, ok, j'avoue. T'as entendu? Eh, tu sais, on devrait rentrer. Moi, il faut que je rentre. T'as largement le temps. Riley, écoute, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur, là-bas. Demain, on reprendra là où on s'est arrêté. Je peux pas. Bon. Ben, un autre jour, alors. Ok, la luciole, alors quand? Ils m'ont demandé de partir.
Partir d'où ? De Boston. Je dois rejoindre un groupe dans une autre ville. Je leur ai bien dit que je voulais rester ici. Mais tu sais comment est Marlène. Rien n'est simple avec elle. Elle veut me tester. Ils viennent me chercher demain. Ok. C'est tout ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas, t'as pas des conseils d'amis ? Je suis sérieuse. Pourquoi tu m'as fait venir ici ? J'avais envie de te voir. Non, pourquoi tu m'as fait venir ici ? Je sais pas. Je sais pas. Tu veux un conseil ? Vas-y. Allez, on n'a qu'à se dire au revoir. Je vais aller voir d'où vient cette musique. Riley ! Riley ! Oh, fais chier. Mais où elle est passée ? Riley ! Bon, elle est relou là aussi, elle cache des trucs et tout, et après elle fait en mode oh, non, je sais pas. Attends, ça se fait pas ça. Je suis désolé. Alors, évidemment, elle passe dans des trucs. Oh non, pas des mannequins. Oh non, c'est pas cool les mannequins. J'aime pas moi. Là, de suite, tu te sens pas bien, si tu veux. Tu vois qu'il y a un truc qui cloche. Tu vois que ça va partir en couille très très rapidement. Pourquoi je peux faire ça ? Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? What the fuck ? Ok. T'as déjà vu un truc pareil ? La discussion est close ? Je sais pas, à ton avis ? T'as pas le droit de m'en vouloir, Riley. C'est moi qui dois t'en vouloir. Pourquoi ? Parce que je t'ai demandé ton avis ? Non mais attends, depuis quand mon avis t'intéresse ? On était potes ! On était vraiment potes, mais t'as fini par m'envoyer chier, et après ça, t'as disparu ! Toute cette journée. Tu te sens coupable ? Tu veux te défiler ? Vas-y, je te retiens pas. Je suis censée être en planque à l'autre bout de la ville. Si je me fais prendre en tant que luciole, je suis morte. C'est pas la culpabilité qui m'a fait traverser une ville pleine de soldats, Ellie. Et oui, j'ai fait des choses que j'ignore comment réparer, mais... j'essaie. En parlant de ça... ces fameux pistolets à eau dont tu rêvais. J'ai failli me faire tuer pour les avoir. Surprise. Ok. D'abord, je vais te laminer. Et après, on parlera. Prépare-toi à prendre une douche. À nous deux, la luciole. Oh, trop stylé ! Appuie sur la fois sur R2 pour charger le pistolet à eau. Ah oui, d'accord. Niveau d'eau. Ellie, allez ! Ah, et après on peut... Ah oui, d'accord. Ah, putain, mais c'est énorme. Où est-ce qu'elle est? Ah, la pute. Ah, dans la tête. Tu vas regretter, ma grande.
Putain, c'est énorme. Ah. Dans ta face. Ah. Alors. Explosé. Je t'avais dit. C'était presque bon. Quoi? Ouais. Mais t'hallucines. Ok, d'accord. Compte jusqu'à 5, je vais me cacher et on doit se trouver. La première qui se fait prendre a perdu. D'accord. Oh, ça c'est du défi. Ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. T'es prête? Oh, c'est cool parce qu'ils utilisent les mécaniques du jeu qu'il y a déjà pour faire un truc de complètement différent et... Ah la pute. Yes, j'ai eu. Merde. Voilà, je gagne. Allez, on le joue en 3 manches. On recommence. Si tu veux. Allez, go. 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... Je viens d'avoir... Je viens de me dire que ça va se finir en, tu vas en partie de t-shirt mouillé, mais vu leur âge, c'est extrêmement dégueulasse. Donc je ne vais pas dire ça, ni penser quoi que ce soit, quoi, je veux dire. Ah, mais j'ai Louis, moi. Ah, ça marche pas. Ah. Bah c'était facile. Oh zut. Oh mince. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as vu ce talent okay. pur? Faudrait te résoudre à rendre ta plaque. Waouh. Mais c'est vraiment méchant. Allez, on est reparti. Riley... J'adorerais rester avec toi. Mais tu dois y retourner. Je dois y retourner. Ok. Bien. Je peux au moins te raccompagner? Mais oui. Attends, je vais juste chercher mon sac. Et au fait... Je l'ai dit méchamment... Mais... Je le pensais vraiment. Tu devrais y aller. Je veux dire, c'est quelque chose dont tu rêves depuis... Enfin... Depuis toujours, alors... Qui je suis pour t'en empêcher? T'es la seule à le pouvoir. Non, je t'en prie, n'y va pas. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je vais m'en sortir. Et toi aussi. Et on se reverra bientôt. Tu devrais les garder. Ça ne servira pas à grand-chose. Tu trimballes toujours ton baladeur? Ouais. Fais voir. Tiens. Y a quoi dedans? La cassette que tu m'as donnée. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi, franchement? La ferme. Laisse ça, suis-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas voir. Sérieuse, viens par là. Allez, ramène-toi. C'est débile. Allez. I don't know what all that is.
Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Hey, qu'est-ce que t'as? T'en vas pas. On fait quoi maintenant? On va trouver un truc. Mais je crois que Marlène va pas trop apprécier. Alors là, ça a cassé l'ambiance. De couper à ce moment-là. Vraiment des bâtards. Naughty Dog. Vous êtes des bâtards. Bah non, en fait, Joël, on peut courir là. Il n'y a plus d'affectés là, je crois, si. Vu qu'on a la trousse de soins, on peut retourner auprès de Joël, du coup. Y'a quoi par là? Ah. Tiens donc. Photo de groupe. À la capitaine, au capitaine. À la capitaine la plus cool du monde. La Rilsen, mon anniversaire, Alice. Ok. Tu le sentais la tension qu'il y avait entre les deux. Je savais qu'il y avait de l'amour derrière tout ça. Je connais. Oh, oh merde. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Rien à carrer du vieux schnock et de la gamine. Ouais, plus vite on les retrouve, plus vite on peut se tirer. Oh non. On commence par cette zone. Je regarde ici. Va voir derrière. Ils nous cherchent. Putain. Bon alors il faut aller où par contre? Ah, toi t'es là. Et l'autre il est où? Il est là-bas. Donc lui on peut se le faire assez facilement. Oh, non, t'en tombes pas. Yes. Oh non, les autres m'ont vu. Sérieux? Attention. Ah merde, le truc est pas parti. Fuck. Mais putain, mais pourquoi le truc part pas? Ah. À l'aide. Non, 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 n'ouvre pas ça. Putain, j'ai vraiment okay. Pas bien joué. Bouge pas, Joël, j'arrive. Ces types veulent se battre, ils vont pas être déçus. J'étais tellement pas prêt pour ce qui est arrivé en fait. Je vais les retrouver, leur coudre, et après je me casse d'ici. Non, on se faisait des bisous avec Riley il y a un instant là, et puis là on tue des gens, je comprends plus quoi. Magasin de disques au calme. De Ham. Wham. Ok. Bon, Octopus Records. J'ai vraiment très mal joué. En plus, j'aurais pu lui lancer une brique ou n'importe quoi. Mais franchement, j'étais tellement pas prêt. J'ai même pas réussi à lancer les flèches en fait. Ça, c'est un gros problème. Y'a rien. Ah. Ok. Toujours bon à prendre. Oh là là. Ah, vous voulez dire qu'on doit aller là-dedans? Ah, c'est vraiment une bonne idée. Oh, ça, c'est une super idée.
On va pas se mentir, c'est une des meilleures idées qu'on ait eues depuis. Téléphone du conduit. Ah ouais, mais bon, tant pis. Hein, on écoutera ça plus tard, les amis. Pas de soucis, parce que j'ai pas envie de rester une demi-heure à écouter un truc. Parce qu'ils sont bien gentils. C'est cool d'avoir du lore, mais c'est un peu long. Non, non. Oh, ils me font chier. Ils sont sérieux. Ouvre-moi, j'avance. Putain. Ils m'ont vu? Non. Ils m'ont pas vu. Hein? Ah. Attends, je peux pas tous les buter avec genre un molotov ou une bombe. Ah, il s'est transformé. What? Putain, je peux pas lancer assez loin. Oh non! J'ai raté. Attendez. Ramassez-vous, ramassez-vous, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Yes! Yes! Ça c'est bon. L'ambiance est carrément différente que tout à l'heure. C'est génial. Ce jeu, les amis. Et dire qu'ils ont annoncé le 2. Et dire qu'ils ont annoncé le 2. Oh là là, j'ai tellement hâte. Enfin, tellement hâte. Je peux attendre encore, hein, vu que ce sera sûrement pas avant 2018. Fin 2018, je pense, pour The Last of Us 2. Ça, je peux prendre. Oh, presque. Je vais devoir faire le tour. Ah, on peut pas passer ça. Faire le tour par où? Ah, ok. Great Plains. On dirait le symbole de Wipeout. Vous savez, d'une équipe de... Si vous connaissez un petit peu Wipeout, la série... très très bonne série d'ailleurs de jeux de course de vaisseaux de PlayStation. On va faire d'ailleurs une super collection en fait avec tous les épisodes qui sont sortis sur PS3 et Vita, remasterisé sur la PS4 en 4K et tout, si vous avez la PS4 Pro et tout. Pourquoi pas. Ah. Oh là, j'avais pas vu. Attendez, si on la joue fine... C'était quoi? Ah non, il y a des mecs en plus. Putain, mec. Hey, vous avez trouvé quoi dehors? Absolument. Quelle bande de cons. Vérifiez sur tout le tour. Trois des sabots qui ont, mais aucun qui sorte. Ils sont déjà morts. J'aime bien quand ça brûle. Ok. Alors, pas de panique, pas de panique. Il faut faire en sorte qu'ils aillent vers eux. Entretuez-vous, voilà. On a réveillé les autres et du coup... Nickel. Ok, ça c'est bien joué par contre. Il faut utiliser son cerveau. Ah, est-ce qu'il a tué tout le monde? Non, putain, il y en a encore plein. Il n'y en a plus qu'un. Oh là.
Non! What the fuck? Je faisais aucun bruit! Non, c'était trop bien joué! Merde! Merde, c'est trop con! Putain, j'ai couru à peine un peu et du coup. Merde! C'est trop con! Bon, on va refaire la même, hein, du coup. Ça a marché une fois, pourquoi pas deux fois? Salut, c'était quoi? Ah oh, merde. Tu rends pas bon. Attention, faut pas que je me fasse voir non plus. En fait, je peux lancer un truc directement. Voilà. Alors non, 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 toi tu vas pas venir par là. Il m'a vu? Non, il m'a vu, il m'a vu. Non, il m'a vu. Je saute dessus par derrière. Ok, non, pas tout dessus. Bah écoute. Ah, fuck! Ah la pute! Ah non! Ah non! Non! Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Oh putain, y'a assez de la vie. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la pire merde du monde. Putain, je suis pas bien. Putain, je suis vraiment pas bon en plus. Ah non. Pourquoi c'est si dur avec Ellie en fait? Pourquoi c'est beaucoup plus dur qu'avec Joël? Attendez, je comprends pas là. Oh, ça fait chier. Bon, pour l'instant, moi je vais me faire un pack de soins, écoutez. Ou alors, non, ouais, je devrais peut-être. Ah, oh, je peux faire une bombe en plus, nickel. Là on est bien. Allez, petite bombe. Oh oui. Allez. Allez, lui il est mort. On va se charger de lui. Voilà. Faut être proactif, faut être proactif. Oh fuck! Ah t'es vraiment un gros bâtard toi. Et voilà. Je lui ai arraché un bout de cerveau, c'était trop bien. Ah les bâtards. Oh fuck! Le bout de cerveau il est pas bien passé en fait. Voilà. Putain, quel monde de bâtard. Attendez, non, je vais peut-être pas prendre mon pack de soins, je vais peut-être prendre la vie qui est là-bas. Ça va m'économiser de. Voilà. Ça remonte pas beaucoup ma vie, mais un petit peu quand même. Ok, rien. Oh, j'ai pas très bien joué en fait, je croyais avoir super bien joué en mode ouais je suis trop intelligent, je l'ai fait s'entretuer. Mais en fait bon c'était pas encore ça. Hein. Voilà. Un petit poker. Vous avez perdu, vous avez bluffé. Allez hop.
T'as des trucs à fouiller dans la caisse enregistreuse. Oh, des munitions. Ah, là-bas, il y a un petit truc. Okay. Par où on est censé aller, en fait? Est-ce que je peux soulever la grille là-bas, mais... Ah oui, ok, bah là, ça ne va nulle part. Très bien. Ah, toutes les photos! Ok. Ça pue un petit peu, si vous voulez mon avis, mais bon. Attendez, on devait pas aller là-bas, non? Non. What? Qu'un cheval vous attaque. Ils vont le trouver. Je dois faire quelque chose. Vite. Ah, parce que c'est le but du rayon. Non, on n'est pas bien en fait. Oh, putain, y'en a un là-bas. Ellie, tu dois faire quelque chose. Oh, fais chier. Oh non! Ah, nickel. Il a cru que j'étais de l'autre côté. Par contre, j'ai plus de flèches. Putain, ils arrivent de tous les côtés. Et je suis vraiment... Quoi, déployez-vous ? Putain. Arrêtez. Je peux rien faire. Il est où ? Fuck. Ok. Oh putain, c'était lui. Ah la... Toi, t'es vraiment pas gentil, toi. Vite, 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 vite. Ok. Putain, il est là. Allez, montre-toi. Allez! Voilà. Ok. Il va être temps que je prenne ce pack de soins. Oh non. T'es sérieux, mec? Toi, t'es vraiment pas cool, hein. Pas cool comme type. Ah, je suis nul. Où sont passés mes réflexes de pro gamer? Où sont passés les headshots? Ah mais il est mort je crois. Oui il est dead. Adios. Hasta la vista. Par contre il donne absolument aucune munition. Le mec est un radin. Une radasse de première. Alors, ok, ils arrivent tous par là. Est-ce que je peux aller me planquer en bas? Oui, j'ai encore le temps. Ok. De quelle porte tu pars? Il fait quoi? Ah, il faut ouvrir la porte pour trouver le cheval. Sale type, sale type, sale type! Oh vache. Oh oh. Oh oh. Oh yes. Ça c'était bien joué par contre.
Oh la vache, elle fait trop peur. En bas, près de la porte. Merde, on la tient cette fois. Butez-moi ça. T'as de con. Bon, vous voulez jouer à ça? Je suis absolument pas prêt. Je suis absolument pas prêt. J'ai plus de munitions en fait. Oh la vache. À l'aide. La protection de l'enfance. Oui. Bonjour. Je vais me faire tuer. Ah, intéressant. Oh non. Oh non. Non, c'est pas... Ah ouais, j'ai très très mal joué, une fois de plus. Je n'ai plus de vie. Putain de merde. Putain, je peux rien faire. Ah vache. Faut ça jouer discret, on n'a pas le choix. Oh putain. Hein? Quoi? Oh la vache, je vais me crever en fait. Il me dit pas qu'il m'avait perdu. Ah yes. Toi par contre, on va vraiment se concentrer sur les headshots. Parce que là, on est vraiment pas bien du tout. Nya! Nya! Couteau! Non! Non! Ah, quel abruti! Non! Ah. C'est pas facile là, quand même, hein, je trouve, hein. Ah, ils vont être au même endroit par contre. Ah, les salauds. Ah, les salopios. Ah, attendez. Mais ils sont partout. Regardez-moi tous ces trucs blancs. Il arrive un moment, si vous voulez, où moi je peux plus quoi. Enfin. On va s'occuper de lui. Il va me voir. C'est pour ça. Toi tu vas crever. Ils m'ont vu. Ah d'accord. Écoutez, on est bien là. On est bien entre nous là. Hein? Allez. Putain, je peux pas faire ça. Non! Putain, je peux rien fabriquer. Mais ouais, mais j'ai pas envie de faire une bombe lacrymo. Enfin, une bombe lacrymo, n'importe quoi. Une smoke si tu veux, parce que ça va me servir à rien. Putain! Couteau! Oh, le fusil à pompe, il est pour moi. Oui, le fusil de chasse. Oh, je dis oui. Voilà. T'as bien niqué, t'es mort. C'est pas une touche pour... Ah non, j'allais le tuer. Putain, je suis pas bien. Oh la vache, je suis pas bien du tout. Ça c'est de la survie les potes. Tu fais quoi, mec? Il est pas mort. Oh putain. Oh non. Merde, c'est infecté. Je suis... Non, je suis pas... Hein?
What the fuck? Vite, faut qu'on se barre. Faut qu'on se cache en fait là. Faut des ressources. Vite, 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 vite. Je suis pas bien là. Putain, y'a rien. Y'a que dalle nulle part. Ok. Ah! Voilà. Oh, putain, yes. Ok, ils sont là-haut à se battre. Qu'est-ce que je fais, moi, pour l'instant? Je suis pas si bien que ça, du coup, hein. Enfin, je me prends une balle, je meurs, en fait. Putain. Allez, allez, on y croit. Non! Oui, non. Putain. Putain, il est passé où? Ok, il est là. T'es pas sérieux, gros? Couteau. Voilà. Putain, il est là, il est là. Pas de panique. À plus tard. S'il en reste d'autres, je vous conseille pas d'essayer de me piéger. Ou vous finirez comme vos potes, c'est compris? Ouais. Ouais. Intérêt à être vivant, Joël. Ah oui, parce qu'il était là comme ça en fait. Vas-y, bloque la porte. Ellie. Et on s'arrête là pour cette vidéo. Ah, j'adore faire ça, j'adore couper pile poil dans le moment de l'action là, comme ils font aussi, ils font pareil hein. Ne croyez pas ça. Bref, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite, les amis. Passionnant ce Left Behind en vrai, passionnant putain, ça fait tellement plaisir de retrouver cet univers de The Last of Us, ça déprime un petit peu quand même, mais ça fait aussi plaisir. Voilà, si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo hein, avec vos amis, un petit partage sur Facebook, ça fait plaisir, ça fait pas mal de choses, on va pas se cacher. Voilà, je parle trop vite et je vais finir cette vidéo, voilà, à plus tard, ciao, bisous, et merci d'avoir regardé, ciao.